Laissez-la tranquille. Pourquoi vous l'embrouillez? Vous ne voyez pas qu'elle est ivre. Donne-moi ces verres. Comment tu rentres à la maison? Ma voiture se trouve dehors. Tu peux pas conduire dans cet état. Peux-tu me ramener à la maison? Oui, je peux, mais ma voiture est à la réparation. Oh, d'accord. Tu peux me conduire avec ma voiture? Ah, je ne serai pas en danger ou quelque chose comme ça. Oh, je te remercie d'être si gentil avec moi. Juste ramène-moi loin de ces gens. Où est ta voiture? Bon, je dois maintenant rentrer. Je dois maintenant rentrer à la maison. Mais le problème est que qui va fermer la porte? Tu ne peux pas le faire. Quoi? J'ai déjà fait. Non. Tu ne l'es pas. Vas-tu me laisser dans cet état? Je sens tellement de la sueur. Je ne sais même pas quoi faire à propos de ça. Je ne sais pas. Ramène-moi dans la salle de bain. Tu me déshabilles, tu me masses un peu, tu me plonges dans les baignoires, tu me jettes de l'eau, tu me laves un peu, s'il te plaît. Sérieusement? Oh, non, je ne blague pas. Oh, es-tu chaste? Je sais que tu ne l'es pas. Bien sûr que je ne le suis pas, mais pourquoi tu me regardes de cette façon? Bien sûr, tu ne l'es pas. Tu as l'air d'une personne qui les fait tellement bien et donner beaucoup plus du plaisir. Si tu le veux, tu peux juste essayer avec moi. Je vais juste goûter un peu. Tu peux me faire ceci, tu peux me faire cela. Ok, vas-y. C'est bon, je vais t'aider. Allons-y. Oh.
Que fais-tu? Où vas-tu? Pourquoi tu veux savoir? Je pars. Je ne peux pas rester ici. Oh, s'il te plaît, ne me laisse pas seule. Pourquoi? Tu restes seule? Oui, mais je n'ai pas encore repris la force. Ok, très bien. As-tu faim? Parce que moi, j'ai faim. Oui, j'ai faim aussi. Tu as quelque chose à manger? Oui. Je pense qu'il y a quelque chose dans la cuisine. Tu peux faire quelque chose si tu le fais. Hein? Je vais me débrouiller. Ok. Vas-y. Je reviens. Merci. Tu es là. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis venu juste me rassurer. Je suis au salon. Oh, pourquoi? Tu peux dormir avec moi sur mon lit. Dans ton lit? Oui, c'est mon lit. Ah. S'il te plaît. Ok. Satisfaite maintenant? Je vais te demander une faveur. Quoi? Quoi encore? Tu veux que je coupe mon cou pour te satisfaire? Non. S'il te plaît. Fais-moi l'amour. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? S'il te plaît. Non, je ne peux pas faire ça. Et tu sais, je ne te connais pas assez. Je ne vais pas me réveiller les matins et puis j'apprends que tu m'acquises pour quelque chose. Je ne t'acquiserai pas sur quelque chose. Je vais bien. Ah ah. Je veux juste que tu me fasses l'amour. Mais tu es un petit ami, hein? Tu es un petit ami. J'en ai pas. Tu sais, je veux juste que tu me fasses l'amour. Mon copain, il a couché avec mon ami et j'ai rompu avec lui. Et depuis que cela est arrivé, à chaque fois que j'ai envie de faire l'amour, je vais au club, je vais au bar et je prends un peu de la bière et je danse. J'ai juste envie de ça maintenant. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup bu. Alors, tu m'as sauvé de ces voyous. Alors, s'il te plaît, fais-moi l'amour. Je me sens pas vraiment bien. Je ne vais pas faire l'amour avec toi sans les préservatifs. D'accord. Je ne peux pas décider à ta place. J'avais juste envie de faire l'amour. Alors moi, comment tu peux être sûr que je n'ai pas quelque chose de mauvais? Oui, je sais. Je suis sûr que tu ne peux pas les faire sans utiliser les préservatifs. C'est à propos de la grossesse. Non, je ne suis pas dans l'ovulation. Non. Oh. Arrête, arrête. Dans ma maison. C'est quoi cette question? L'homme qui t'a sauvé la nuit dernière, tu te rappelles? Pourquoi je suis tournée? M'as-tu touché? Tu m'as fait l'amour? Qu'est-ce que tu m'as fait? Quoi? On a fait l'amour et tu m'as supplié de le faire. J'étais obligée? Comment tu dis ça? Je ne peux pas t'obliger. As-tu utilisé les préservatifs? Non. Combien de fois as-tu éjaculé? 4. 4? Es-tu une machine? Alors, tu as éjaculé 4 fois
sans le préservatif? C'est pas de ma faute. Tu m'as supplié de le faire. Arrête de dire que j'étais obligée. Tu es sur mon lit. Je ne te connais pas. Tu m'as fait l'amour. Tu as couché avec moi. Et tu me dis que j'étais obligée. Toi, où est-ce que ma gentillesse m'a amenée? Parce que tu es tellement ingrate. Tu es fou. Tu es vraiment une folle stupide. Tu es malade. Sors de ma maison. C'est quoi ce comportement? Je ne veux plus te revoir dans cette maison. Et je ne veux plus t'y voir. Ah. Ah. Peux-tu imaginer? Hein? Après m'avoir supplié toute la nuit, elle me dit, oh, je n'allais pas faire ça. Ah. Quel jour. Ah. Ah. Dans une telle nuit, non, tu blagues. C'est ce qu'une femme peut tuer pour en avoir. Comme moi, je peux te tuer pour en avoir maintenant. Ah ah! Je te l'avais dit. Tu es privé toi-même du sexe, les hommes, relations amoureuses, intimité. C'est une très très mauvaise décision. Cela tournera ton cerveau. Et voilà pourquoi ma chérie bébé l'a fait 4 fois dans une seule nuit. Hey! Tu sais, je dois juste faire les tests. Normalement, tu dois le faire. Pour que je te fasse examiner. D'accord. Alors, dis-moi, comment il s'appelle? Tu ne connais pas comment? Excuse-moi? Tu ne connais pas quoi? Je ne connais pas. On s'est juste rencontrés par hasard. Et j'ai pas eu le temps de connaître son nom. Je m'étais réveillée. Je l'ai vu sur mon lit. Je l'ai juste parlé de moi un peu. Et lui de même. Et je l'ai chassé. Tu as fait la montagne très fort avec quelqu'un. Tu as passé toute une nuit à ses côtés sans connaître son nom. Tu peux montrer le voyage sa carte. Je ne connais pas son nom comme je te l'avais dit. Ma chérie, je disais qu'on n'a pas eu ce temps de nous connaître et de connaître son nom. Arrête. Ne juge pas. Arrête, s'il te plaît. Après m'avoir supplié toute la nuit de faire l'amour avec elle, elle est en train de me raconter des bêtises. Mais tu me connais, moi.
Je ne peux pas accepter cela. Moi, je ne plaisante pas avec les filles. Oh. Je n'ai pas le temps pour tout ça. Mes yeux, le bon gars. Tu sais, je t'ai toujours dit que ces gens-là que tu appelles tes bons gars vont un jour te créer des sérieux problèmes. Je pense qu'elle n'est pas. Parce que si elle en avait, j'allais finir avec elle. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas pris son numéro ou je sais pas? Je ne connais même pas son nom. Quoi? Oui. Tu es allé chez toi avec une fille. Mm-hmm. Tu as passé la nuit avec elle. Tu l'as prise 4 fois. Et tu n'as même pas pris soin d'avoir ne fût-ce que son nom, Mézier. J'allais lui demander le matin. Mais quand elle s'est mise dans cet état-là, je me suis dit que je ne mettrai plus jamais mes pieds là-bas. Mézier. Mon gars, ne continue pas avec tes esprits là. À ce moment aussi. Il faut déjà que tu commences à chercher une église pour une délivrance sérieuse. Elle tu as vraiment besoin d'une délivrance, mon cher. Oh. Elle n'est pas un esprit. Comment le sais-tu? Parce qu'elle est tellement belle. Une bonne fille avec une belle voiture, un beau appartement. En fait, je ne crois pas qu'elle n'a pas de petite amie. Après tout cela, je ne veux jamais mettre mes pieds là-bas. Et tu sais très bien que cela ne va jamais arriver. Ouais, comme tu l'as dit, ça ne va pas arriver. Exactement, cela n'arrivera pas. Il me manquait moi. C'était vraiment trop bon. Un homme patient. Si je pouvais encore le revoir sur mon chemin. Oh. Comment je vais encore les revoir? Oh, si je ne l'avais pas chassé, il aurait pu me parler de lui. Et la manière dont je l'ai parlé, tout était mauvais. Oh, il m'a très bien fait l'amour. Oh. Où es-tu, cet homme? Tu m'as laissé avec beaucoup de sentiments. Ce qui paraît un peu trop étrange et qui couche avec d'autres filles comme il a fait avec moi. Es-tu sur le lit avec une autre fille? Mes pensées me rendent très 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 jalouse. Allez, Viviane, arrête ça, s'il te plaît. Ceci est vraiment compliqué. Je ne connais pas son nom. Oh. Tu sais, je me sens très fatiguée ces derniers temps. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec moi. Peut-être que j'ai la malaria. Je dois aller voir les docteurs. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'accompagner? Hein? C'est quoi? Non, la malaria. Sûrement, je ne peux pas être enceinte. Je n'ai pas couché avec un homme. Tu as rencontré ce nom mystérieux? L'homme mystérieux que tu as. C'est docteur Pat. Il faut mettre le docteur. Tu étudies pour ça. Oh, d'accord. Désormais, je vais t'appeler docteur. Docteur, ma chérie. Oh, wow. Ça, alors tu es sérieuse. Mais en parlant de choses sérieuses, ma chérie. J'ai des mois de retard. Sûrement je suis enceinte. Oh ma chérie. Hein? J'ai couché avec lui dans ma période d'ovulation. Sûrement je suis enceinte. C'était probable que tu tombes enceinte. Même si tu étais dans l'ovulation ou pas. Maintenant, je scotche ma meilleure amie. Et voilà ce qui va se passer. Quand une femme fait l'amour,
3 jours avant l'ovulation ou 3 jours après l'ovulation, c'est vraiment possible qu'elle tombe enceinte. Quand les spermatozoïdes sont libérés dans le corps, plus d'un million de spermatozoïdes vont se dépêcher pour atteindre l'œuf. Et alors, quand un seul sperme arrive à atteindre l'œuf, tous les restes vont mourir. D'accord. Maintenant, d'autres spermatozoïdes peuvent rester dans le corps et rester en vie environ des jours ou plus. Est-ce que tu me comprends? Mais les fameux spermatozoïdes, ces derniers ulants et patients, ils peuvent rester dans le corps et rester en vie environ 3 jours ou 4 jours ou plus. Et cela est assez pour toi d'être tombée enceinte. Je ne savais pas qu'on pouvait être enceinte en dehors de la période de l'ovulation. Ouf! Mais je pense que c'est impossible que je sois enceinte. De toutes les façons, je dois faire un test. Je n'arrive pas à comprendre comment cela est arrivé. Je dois faire un avortement. S'il te plaît, ramène-moi à l'hôpital. S'il te plaît, non. Avorter, pourquoi? Mais tu ne pourrais pas faire ça. Tu sais très bien que je peux bien le faire, mais je ne te laisserai jamais faire ça. L'enfant n'est pas encore formé, c'est du sang. Ok. Et cela doit être formé pendant combien de mois, tu penses? Alors, que veux-tu que je fasse? Dois-je garder ce bébé? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sérieusement, tu me poses cette question? Je t'ai dit que je ne connais pas son nom, ni son contact, ni son adresse, hein? Nous allons les retrouver, ok? Mais où? On peut commencer de le voir où vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce que je dirais? Ce que j'essaie de te dire maintenant est que tu ne peux pas faire un avortement. Je te supplie. Je te supplie, au nom de toutes choses et même au nom de Dieu, s'il te plaît. Ne te fais pas avorter, ne le fais pas, s'il te plaît. Ne le fais pas, s'il te plaît. Je ne peux pas continuer à chercher cet homme. Je ne peux pas faire autre chose pendant la journée. Je ne peux pas prendre soin de moi. Je ne peux pas dormir, toujours au club. Et le barman a dit, la dernière fois qu'on se vit, c'était la dernière fois qu'il est venu dans ce club. Tous les jours, j'étais au club, en train de lui chercher. Et il est toujours introuvable. Tu sais, je suis fatiguée. Je dois avorter cet enfant. Je parle de ça. Avorter, c'est un maître. Dis-tu, ça fait partie de ma vie. Et c'est ma décision qui sera appliquée. D'accord. Il s'agit de ton choix. C'est une décision. C'est un maître. Essaye de me condamner. Ah oui. Oui, j'essaye de me condamner. Je
la plaie, avortement, évacuation, DSC. Ça restera un meurtre et simplement un meurtre. Et tu n'assassines pas n'importe qui, tu assassines ton enfant, ton propre sang. Ma belle, je peux te dire oui, vas-y, va faire l'avortement. Et quelque chose se passe que tu ne pourrais plus concevoir. Et maintenant, qu'est-ce que tu deviendras? Vraiment, rien ne va m'arriver. Ce n'est pas ma portion. Oui, ce n'est pas ta portion et c'est la portion de personne aussi. Tu comprends que quelque chose de mal pensé arriver. Dieu, tu n'as aucune idée des nombres de femmes qui sont là dehors, qui sont prêtes à faire n'importe quoi. Aller plus loin pour avoir cet enfant que tu es prête à jeter aux toilettes. Ça fait partie de ma vie. Et ce n'est pas à toi de décider. J'ai dit que je ne vais pas de cet enfant. C'est quoi ton problème? Comme tu ne veux pas partager mon avis, je vais partir d'ici. Je disais que je vais partir d'ici. Viviane. J'appelle ton numéro, tu ne décroches pas, tu ne me rappelles même pas. Je suis allée à la boutique pour te chercher, ils m'ont dit que tu n'étais pas là. Et je me suis dépêchée pour venir. Est-ce que tu l'as fait? Et tu ne l'as pas fait. Ok, tu sais quoi, on est de meilleurs amis. On va le surmonter de tous les deux. Je ne pouvais pas. Tu sais, j'étais très fâchée contre toi à propos de l'avortement de mon enfant. J'étais allée à l'hôpital et je ne pouvais pas descendre de ma voiture. Et tu sais, tes mots n'arrivaient pas à quitter mes pensées. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est bon, d'accord. Je suis là avec toi. Nous allons le retrouver. Et si ma fille grandit et elle commence à me demander son père, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons le retrouver. D'accord? Avec les temps, on va le trouver. Je suis vraiment sûre, très sûre. Merci. Ok? Merci d'avoir fait une bonne chose. Où est mon bébé? Où est mon papa? Quoi? Je dis, où est mon papa? Hein? Tous mes amis ont deux pères. Leur père les amène à l'école et reviennent leur prendre à la sortie. Est-il mort comme le père de Patricia? Oh non, il n'est pas mort. Mais alors où est-il et pourquoi il n'habite pas avec nous? Sûrement. Est-ce vraiment important, un bébé? Tu ne veux plus passer du temps avec maman. Je ne te suffis pas. J'ai envie de jouer avec lui comme la fille à la télé. J'ai besoin de crier quand il reviendra. J'ai envie qu'il m'appelle Ange comme le père des précieuses l'appelle. Hein? Tu veux le faire avec moi? Je vais mon papa, j'ai... Jenny, arrête ça. Je dis arrête. J'ai mon papa. Jenny, arrête. Mon papa, j'ai mon papa. Allô, ma chérie. Jenny n'arrête de me déranger. Elle veut voir son père. Mais il a dit que pour tout ce qui s'est passé, nous devons... Il est temps maintenant. Je veux que tu viennes, s'il te plaît. Ok.
passé? Hein? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Qu'est-ce que lui rend, ses ténaces pour qu'elle voie son père? Elle était juste en train de regarder un film. Et elle a vu un père qui s'amusait avec sa fille. Et c'est après qu'elle est venue me demander où est son père. Je le savais. Ouf, je ne sais pas. Tu sais, merci de lui avoir dit que son père est à l'étranger, je ne sais pas moi, hein, donc je ne peux pas continuer à mentir. Elle est en train d'aller rapidement. Elle ne cesse de me poser des questions sur son père. Je vais vraiment mettre fin à tout ça. Je dois retrouver son père. Mais pour le moment, ce mensonge va devoir tenir. Ok? Un petit mensonge ne va pas la blesser. Cela va nous laisser assez du temps, vraiment du temps, pour retrouver son père. Je n'ai même pas sa photo, ni son nom, et je dois seulement aller à la presse. Je ne connais même pas son nom. Tu sais, tu t'en souviens de toutes choses qui s'étaient passées, n'est-ce pas? On peut le poster dans toutes nos plateformes des réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook, Telegram et partout. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un ne pourrait pas le voir. Jusqu'à ce qu'on va la trouver. Comment pouvons-nous savoir? Peut-être qu'il est en train aussi de chercher un enfant. Pourquoi n'avais-tu pas pensé à cette idée depuis tous ces temps? Ma sœur, mon cerveau commence à fonctionner maintenant, ok? Je suis devenue sage et c'est juste pour le moment. Je te remercie juste pour ton idée. Oui, ma chérie Salée. Ma belle, je vais le faire si vite que possible. Ouf. Ok. Où as-tu trouvé cette idée? Tu es vraiment un bon docteur. Je suis un bon docteur. Je suis un bon docteur, chérie. Commençons à travailler. Tiens ton téléphone. On doit finir avec tout ça. Une histoire de... Quoi? Je vais faire des publics sur Internet cet après-midi. Il y a une fille. Elle vivait dans un bar quelconque, ça fait déjà 8 ans passé. Elle a dit qu'elle était menacée. D'un coup, un homme est sorti. Il a frappé ses bandits et il l'a sauvée. Et il a supplié cet homme de la ramener à la maison. Et dès qu'ils sont arrivés à la maison, j'essaie un peu d'oublier d'autres. Elle a dit qu'elle a supplié cet homme de coucher avec elle. Alors, ils ont fait l'acte. Et alors, quand il s'est réveillé le matin, il était tellement fâché contre ses gars qu'elle a demandé à cet homme de quitter la maison. Mais elle a dit qu'elle avait regretté parce que cet homme était un homme très gentil. Il avait très bien pris soin d'elle. Et elle a dit, tu sais, elle ne connaît même pas le nom de cet homme. Elle n'avait même pas pris son numéro. Et maintenant, il a cherché cet homme, ça fait vraiment longtemps. Et elle est en train de supplier à cet homme, tu sais, de revenir vers elle. Qu'elle a vraiment un message très important à passer à cet homme. Et elle a laissé son numéro, son adresse du bureau, son adresse de la maison, donc à toutes choses. Quelle histoire! Imaginez le risque qu'elle a pris. Ouais, je vais bien. Ça va. Envoie-moi ses coordonnées sur WhatsApp, je vais voir quelque chose. Envoie-moi sur WhatsApp. Okay. Ouais. Envoie maintenant. Bébé, penses-tu que cet homme verra tous ces messages? Hein? C'est possible. Je ne sais pas ce qui est vraiment très important pour qu'elle publie partout pour trouver cet homme. Bébé, tu sais quoi? Où est la clé? Tu dois m'excuser. Je reviens bientôt. Je vais voir mon ami Chuka. Quoi? Mais tu ne m'avais pas dit que tu sortais depuis que je suis là. Je reviens dans peu de minutes, d'accord? Juste... Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi tout ça là?
Tu es en train de me traiter comment là? Je t'ai dit que je reviens. Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Tu veux que je t'achète quoi? Je reviens. Tout ce que je disais est juste que j'ai rencontré cet homme dans une très mauvaise condition. Non, ce n'est pas ce que tu penses. C'était juste que... c'est bon. Pas de problème. Tu peux les apporter dans la boutique, comme ça nous allons comparer avec les autres. Sérieusement. S'il te plaît, tu peux me donner un petit moment, s'il te plaît. Je vais te rappeler. Allô? Oui, c'est Viviane au téléphone. Vraiment? Tu vois, ceci est un sérieux problème. Si tu n'es pas celui que je cherche, ne perds pas mon temps, s'il te plaît. J'ai pas le temps, s'il te plaît. Ok, si c'est réellement toi, pourquoi ne m'avais-tu pas cherché depuis tout ce temps? Tu sais, je me rappelle maintenant de tout ce qui s'était passé. Tu sais, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît. Tu sais, je veux vraiment te dire. S'il te plaît, est-ce qu'on peut se voir? Ok, est-ce qu'on peut se voir demain? Au même endroit, demain à 14h. Ok, on se voit demain. Tu sais, merci, merci, merci pour ceci. Ceci. Ah, ok. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Sérieusement, je le sais bien. Très bien. On va se voir demain. Toujours dans cette terrasse. À 14h. Oui, je sais. Oui, je sais. Je n'ai pas parlé à propos d'elle. Et ni aussi à propos de lui. Oui, je vais juste voir sa réaction quand on va se voir. Je vais juste garder la position que nous avons. Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. Ok, s'il est célibataire, c'est bon. S'il est marié, c'est pas grave. Je pense qu'il n'est pas marié. Non, sérieusement. Tout d'abord, je veux qu'on puisse se voir. Et je veux aussi avoir une très bonne relation avec lui. Pourquoi? Oui, exactement. Ok, merci. Doux sommeil. Ok, au revoir. Ne t'inquiète pas pour ça, tu vas tout connaître. Ok, bye. En tout cas, j'espère qu'il est célibataire. Et qu'il n'est pas marié. Je vais encore appeler. Ah non, on va se voir demain. Salut. Oh, salut. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais bien. Veux-tu prendre quelque chose? Ah, merci beaucoup. Tu es tellement belle. Merci. Waouh, tu es encore plus belle que la fois passée. Je ne m'attendais pas. Je suis vraiment désolée pour ça. Je ne vais plus répondre cela aujourd'hui. C'est pas grave. On s'était dit des mauvaises paroles toutes les deux. Je vois. Oui. Alors,
Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu veux me dire? Pourquoi pas prendre un peu de la bière, savourer un peu, et après cela, je t'emmènerai là-bas. M'amener où? Ne t'inquiète pas, tu verras. Maman, qu'est-ce que c'est? Elle t'appartient maintenant. C'est ton père. Donc, tu es mon père? Pourquoi tu ne vis pas avec nous? Tu m'as tellement manqué. On rentre à la maison? Je vais te parler depuis quand nous serons à la maison. On rentre à la maison. Ah, merci. Merci. Prends place, s'il te plaît. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que je peux te faire quelque chose? Je vais très bien, merci. Ok. Vous allez m'accorder quelques minutes. Je vais prendre bain et puis je vais vous revenir. Ok. Ok, j'arrive. Viens, mon bébé. Est-ce que c'est ma fille? On va le découvrir. Alors, je disais, je m'étais retrouvée enceinte et je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment confuse. Alors, je m'étais décidée de parler avec mon ami qui est aussi mon docteur. Et c'est mon ami qui m'a demandé de garder la grossesse. Ouf! Ah, c'était vraiment difficile. J'ai parté dans ces bars tous les jours. Peux-tu imaginer, pour te chercher. Mais tu ne t'es jamais laissé voir depuis le jour où nous nous sommes vus. Pour la première fois dans ces bars, je croyais peut-être te revoir, mais tu n'es jamais revenu. Je suis vraiment fière d'avoir gardé mon bébé. Elle me rend vraiment heureuse. Chaque fois que je la regarde, je me sens heureuse parce qu'elle te ressemble. Elle me rappelle ton visage et aussi... Et tu sais, tes souvenirs sont ancrés dans ma mémoire. Je ne peux pas t'oublier. Et je fournis tous mes efforts juste pour te trouver. Mais je t'ai cherché partout. Au club, à l'église, dans des bars et partout où je pouvais passer. J'ai continué toujours à te chercher. Plusieurs hommes sont venus demander ma main en mariage, mais je n'ai jamais accepté. Et je me disais dans mon cœur que je finirais toujours par te trouver. Et je pense que toi et moi et Jenny, nous pouvons former une très bonne famille. Je suis vraiment désolée de te le dire. Alors, je t'écoute. Et pourquoi tu n'as pas fait ce que tu as fait depuis longtemps? Actuellement, juste hier, Jenny, elle était en train de suivre un film à la télé. Elle voyait une fille qui jouait avec son père. Juste après ça, elle est venue vers moi pour me demander où est son père. Et alors? Et j'ai continué toujours à mentir, tu peux imaginer. Et tu sais, elle ne m'avait pas cru. Elle ne me croyait toujours pas. Elle était toujours en train d'insister. Je vais voir mon père, je vais voir mon père, je vais voir mon père. J'étais vraiment confuse et fatiguée. Jenny est vraiment curieuse. J'essayais de la convaincre, mais rien. Et Jenny voulait tout connaître à propos de son père. Alors?
Comme elle insistait toujours, je lui ai juste dit, ton père est en voyage et qu'il reviendra bientôt. Tu le verras bientôt. Elle l'a menti? Mais oui, je ne pouvais pas faire autrement. Je dirais, j'ai juste menti comme tout le monde le fait. Tu vois? Je lui ai juste dit ça. Et elle s'était calmée un peu. Et on ne savait plus quoi faire. Nous avons juste trouvé cette idée. Alors, comment as-tu trouvé la vidéo? Quelqu'un m'avait parlé de cette histoire de la vidéo en ligne. Et j'ai demandé de voir. Heureusement, j'étais les gars qu'on cherchait. Et du coup, je t'ai contacté. Merci d'être venu. Ah, merci d'avoir gardé mon bébé. C'est un ange. Oh, c'est comme ça qu'elle voulait que tu l'appelles. Vraiment? Oui, parce qu'elle m'a dit une fois que son ami, son père l'appelle mon ange. Alors, elle voulait aussi que son père l'appelle mon ange. Peux-tu imaginer? Vraiment? Oui, alors, c'est tout ce que j'avais à te dire. Oui. Déjà. Après 10 minutes. Sérieusement, laisse-moi l'amener au lit. Et t'inquiète, je vais les faire, je vais les faire. Ok. Alors, assieds-toi. Nous allons un peu parler. Je dois travailler, tu sais. Non, je ne sais pas si je peux te croire. Pourquoi? Combien de femmes as-tu rencontrées tout au long de ta carrière? Il n'y a pas. Le fait d'être artiste, c'est de faire le tout pour y chercher beaucoup d'argent. Bien, laissons-la un peu grandir. Elle prendra elle-même ses décisions. Je te ferai une portrait, je te montrerai. Je vais t'envoyer mes photos, mais pourquoi tu as besoin de ça? Pour la même raison. Alors, qu'est-ce que tu vas leur dire que je suis? Bébé maman, bien sûr. Tu es tellement amusant. Alors, laisse-moi te servir la nourriture. Non, je dois partir maintenant. Oh non, tu as été là presque toute la journée. Tu dois avoir faim. Ah, quoi faire? Ça va aller. Oh, voyons. Juste un peu. Ok. S'il te plaît. Ok. Ok, super. Je vais juste dresser la table. Très bien. J'arrive. Coucou. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. C'est juste que je suis tellement content parce que j'ai tout ce que je veux. Es-tu sûr? Tu n'as pas besoin de quelque chose? Ah, et tout ce que je veux ici, c'est une question très dangereuse de demander. Je veux toute chose. Non, ok. Ok, dans ces cas, on se voit très bien. Matin. Je te laisse. Ah. Pour dormir à ses côtés sans qu'il comprenne que je le fais. Oh, je n'arrive pas à les sortir de ma tête et je ne peux pas dormir. Il est vraiment beau et il sera un bon père pour notre fille. J'essaie d'imaginer. Oh mon Dieu, c'est vraiment magnifique. Est-ce que c'est possible que j'aille le voir maintenant? Oh, je pense qu'il est en train de dormir. Dois-je aller voir? Non. Non. Oui.
Oh mon ange, comment tu vas? Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Bien. Maman, pourrais-nous aller avec la voiture de papa, s'il te plaît? S'il te plaît. Bien sûr. Merci. Yeah. Allons-y. Allons-y. De me rassurer que tout va bien. Est-ce que ça va? Tu es sûr? Tu as tout ce que tu veux? Hein? Très bien. Alors je... Papa! Oui, chérie? Quand est-ce que tu vas venir vivre avec nous? Ah! On en parlera, mon ange, hein? On en parlera. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Je vous aime. Je t'aime. Bye. Je suis vraiment désolée pour ces questions embarrassantes. C'est bon, c'est pas grave. Au revoir. Alors, quand est-ce que tu viendras nous visiter? Ah. Lorsque tu paieras les prix. Au revoir. Ok, au revoir. Merci. Oui, qui est là? J'arrive. Hey, mon cher, comment vas-tu, mon cher? Oui, très bien en tout cas. Ah, mon cher, assieds-toi. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Quelque chose à boire? Tout ce que tu peux avoir, mon gars. Attends une minute. Très bien. Il ne m'a pas dit. Il m'a fait des choses. Peux-tu imaginer? Faut que je vive encore. Je pense que ça suffit. Je ne veux pas m'enivrer maintenant. À ta santé, mon cher. Alors, tu sais, non? Dis-moi, comment ça s'est passé? J'ai une fille. Une fille avec elle? Et elle a 7 ans d'âge. Ce que tu as fait avec elle il y a déjà 8 ans a donc produit une fille. Je te l'ai dit. Tu sais, je me demande, pourquoi t'as attendu aussi longtemps avant de te parler de tout ça? Elle passait tout ce temps à me chercher. Et c'est récemment qu'elle m'a cherché en ligne. Ça me demandait s'il avait l'argent. Vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un artiste. Oh. Oui, il n'a pas vécu avec sa famille. Ok, maintenant je comprends pourquoi elle agit ainsi. Ha! Ma belle, tu ne veux pas jouer à un jackpot pour ça? Et le comble dans tout ça est que sa fille regardait la télé et elle a vu une fille de son âge avec son père. Et c'est là qu'elle a demandé « Où est mon père ?» C'est alors qu'elle a voulu me chercher. Crois-moi, n'est-elle pas la productrice de ces films-là que nous avons vus sur les bouteilles? Bien sûr, mais j'ai oublié le titre du film. Mais... Est-ce que tu l'as demandé si elle était mariée ou pas? Non, il n'est pas encore marié, mais il a une relation amoureuse. Ah! Ils sont restés pendant 10 ans. Pourquoi pas il l'a épousée? Il est au moins engagé? J'ai oublié de demander. Dis-moi un peu. Vas-tu parler d'elle à Vina? Je dois le faire. Je suis avec elle il y a de cela 10 ans déjà et c'est une très bonne personne pour moi. C'est vrai, mais tu ne dois pas oublier que Vivian t'a aussi attendu pendant 6 à 8 ans. Et elle a aussi une fille. Elle a une fille et je crois que c'est un avantage pour elle. Uh-huh. Et
Je crois qu'elle a bien ce que tu cherches. Bien sûr. Mais chérie, qu'est-ce que tu veux? Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le plus important est que il a rencontré notre fille. Et surtout que je me sens très heureuse comme ça. Okay. Tu vois? J'ai fait cette question, mais tu ne le feras pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il faut chercher un nom. Est-ce qu'il a vraiment checké partout? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas ça le problème. Tu cherches, pourquoi pas partir avec lui? Vraiment beaucoup. Ah. Maintenant, tu te retrouves entre deux très belles femmes. Crois-moi, mon frère, je ne t'envie pas du tout. Je ne m'envie pas moi-même, tu sais. Imagine. Non, ce n'est pas facile de voler les copains de quelqu'un. Mmh. Oui, je ne sais pas comment on le fait. Comment toucher avec un homme. Oui, je sais. J'ai commis une erreur, je sais. De toutes les façons, je l'ai fait encore. Attends, tu sais, je suis très contente. Nous avons passé de bons moments ensemble. Et tu sais, Jenny était très très contente et ravie de voir son père. Voilà. C'est vrai. Au-delà de tout, tu dois prendre le temps de penser aussi à toi-même. La Viviane que je connais ne peut jamais coucher avec un homme qui ne lui intéresse pas. Un homme à qui elle n'a aucun sentiment pour une relation amoureuse. Ok? Tu as couché avec cet homme parce qu'il est spécial. Alors, reste avec lui. Cela t'a pris 6 ans. Ces longues années pour qu'il revienne, tu n'espérais plus le revoir. Alors n'ose plus le perdre. Sois sûr que tu vas utiliser toutes les manières possibles. Utilise ton corps, ta façon de faire les choses, ta tendresse, tout ce que tu as, utilise-les. Utilise ta sagesse si tu veux, mais n'ose pas les laisser partir. Ce qui m'arrive encore. Et donc tu es encore enceinte? Oui. Ah, tout ce que je sais est que tu ne toucheras pas ces bébés. Hein? Je vais sauver ces bébés comme je l'avais fait avec Johnny. Je ne veux pas qu'ils sentent, surtout que j'utilise ma fille pour la voir, surtout de la manière dont je suis revenue vers lui. Je ne veux pas qu'il pense que je suis désespérée. Et le problème est que je le veux, mais pas dans cette situation. Bébé, à ce point, il doit penser comme il veut. Il peut penser tout ce qu'il veut penser. Quand il était occupé en massant ton corps, en te punissant, en faisant de toi son esclave, la façon dont il te faisait sans protection, il ne savait pas. Il ne savait pas que tout ce qu'il faisait peut laisser quelque chose à une femme. J'essaie de ne pas rire. Ce n'est pas amusant. Ce problème est vraiment sérieux. Ok. Ma chérie, je suis sérieuse. Regarde-moi, je ne souris pas, hein? Sérieusement, nous devons penser sur ça. Alors, il sera vraiment un grand fou pour ne pas te faire confiance. Sur ce point, je pense que j'ai déjà un choix. Parce que nous n'avons pas eu le temps de communiquer quand nous étions ensemble. Oui, bien sûr. Voilà, c'est vraiment compliqué. Ok. Voyons comment il reviendra encore vers toi, non? Je vais m'assurer qu'il ne te voie même pas toi, même pas Jelly, et même pas l'enfant qui naîtra, peu importe ce qu'on l'appellera. Ça serait possible? Oui! Viviane, c'est vraiment possible. Qu'il ose essayer, je viendrai vers lui et je vais me battre avec tout ce que je possède. Laisse-moi juste lui parler à propos de cette situation, ok? Vas-y, dis-lui, non? Dis-lui et reviens vers moi. Mais sérieusement, merci beaucoup, ma chérie. Tu prends très bien soin de moi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle va bien? C'est quoi le problème? Elle va bien. Elle dort. Oh, merci Seigneur. Tu étais bizarre au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu peux maintenant prendre soin d'elle, rapidement. Tu ne décrochais même plus mes appels et tu limitais même la façon de me parler. D'ailleurs, tu n'avais même pas ces soucis de venir nous voir. Mais tu sais que je suis trop occupé. Occupé avec ta copine, c'est ça? Tu étais tellement occupé jusqu'à oublier ta fille. Écoute, arrête ça. Arrête ça. C'est aussi très difficile pour moi. Écoute, on aura le temps pour les présentations après.
Ce n'est pas les bons moments pour moi. Bien, tu dois te préparer sérieusement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis enceinte. Papa! Oui, mon ange, comment vas-tu? Enceinte? Maman est enceinte! Ouais, nous aurons un bébé! Nous aurons un bébé! Ouais! Ouf. Oui, nous allons avoir un autre bébé. Aussi. Quoi? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Si seulement je suis blagué. Mais j'ai une touche. C'est ta nouvelle appellation. Ah, tireur de litre. Tu sais que en tant que finisseur, j'ai déjà pris une bonne décision pour toi. Je sais que c'est vrai. Mais c'est ce que c'est. J'ai un enfant. Et l'une a un enfant. Et il y a un autre bébé qui arrive. Au moins, tu l'aimes, n'est-ce pas? Je ne suis plus sûr. Quoi? Que veux-tu dire par tu n'es plus sûr? Je vais dire parce que comment est-ce que je lui dirai, hein? De quelle manière je lui dirai, hein? Comment je dirai à la femme que j'aime qu'il y a une autre femme qui a un enfant pour moi et il y a un autre enfant qui arrive de la même femme? Monsieur, ça va être vraiment difficile, mais il faut que tu lui dises. Elle mérite de le savoir. Et comme je t'ai dit l'autre fois, je ne t'envie pas du tout. Très bien. Vas-y. Je crois que nous très allons bien, mon cher. Salut. Salut. Je t'ai appelé, mais tu ne décroches pas ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Bébé, est-ce que ça va? Je vais bien. J'ai quelque chose à te dire. Ok, je t'écoute. Bébé, c'est quoi le problème? Tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles l'autre fois que tu m'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui cherchait les gars? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. C'est toi comment? Je suis les gars qu'elle cherchait. Quoi? Et elle a une fille de moi qui a 7 ans. Une fille pour toi? Ok, bien. C'est arrivé, je peux vivre avec. Ce n'est pas tout. Hein? Ce n'est pas tout. Elle est... Elle est... enceinte de moi. Enceinte de toi? Non, non. C'est trop, c'est vraiment trop pour moi. Bébé, je suis désolé. Papa, comment elle a pu tomber enceinte? Tu es allée la voir et tu as couché avec elle sans être protégée. Bébé, je suis désolé. Non, que veux-tu que je fasse? Je passerai tous mes 10 ans dans cette relation. Et qu'est-ce qui me revient? C'est une enfant. Et un autre enfant est en route. Je suis désolée. Non, 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 ne me dis pas que tu es désolée. Comment tu sais que cet enfant est le tien? Tu as pu faire un test ou quelque chose d'autre? Non. Digère s'il n'est pas le tien. Et si ce n'est pas le cas? Monsieur, et si elle avait raison? Et si elle a tort? Si? Peut-être qu'elle a passé tout ce temps-là pour me chercher afin de m'ajouter encore un enfant que je pense que c'est à moi.
La seule façon de découvrir tout ça, c'est de faire ce test-là, mon cher. Ah, je ne vais pas... Je ne vais pas le créer trop de stress. Je ne vais pas. Je ne vois aucun stress ici. Il faut que le test soit fait rapidement et tu dois le faire. C'est très important, tu dois le faire. C'est le seul moyen pour toi de tout découvrir. Tu dois y penser. Tu es maintenant sérieux? Bien sûr que je le suis. Pourquoi tu viens me le dire maintenant? Dis-moi pourquoi. Ça fait la différence entre avant et maintenant. Qui t'a parlé de tout ça? Personne, ok? Et aussi... Quand est-ce que tu as décidé de me faire tout ça? Et tu penses que j'ai attendu plusieurs années? J'ai subi toutes sortes d'humiliations. J'ai sacrifié ma vie sur Internet juste pour te chercher. Et c'était juste pour te donner l'enfant d'un autre homme? Tu sais quoi? Elle n'est pas ta fille. Ça, je te le dis. Et sors d'ici. Arrête de dramatiser, ok? Juste, dis-moi, ça prend encore combien de temps pour créer tous ces problèmes? Sors de ma maison avant que j'appelle la police. Sors d'ici, je ne vais plus te voir. Moi? Oui. Intrusion. Vas-y, sors. Pas de problème. Sors d'ici, ils ne sont pas les tiens, ok? Tu dois avoir un problème. Ils ne sont pas les tiens, sors d'ici. C'est quoi ces bêtises? Il est un vrai con. Ne me blâme pas, s'il te plaît. Je n'étais pas la seule à le chercher. C'est de notre faute. Mon amour, non. Tu n'as rien fait de mal. Peux-tu imaginer ce que je ressens? Tout le temps que j'ai passé à le chercher, je l'ai fait en vain. Ce n'était pas en vain, ok? Maintenant que Julie connaît son père et elle connaît comment il est. Je ferai un test. Quoi? À quoi? Mon amour, personne ne va t'obliger de faire ce que tu ne veux pas faire. Si tu ne veux pas faire le test, alors ne le fais pas. Je sais, mais je le ferai. Pourquoi? Parce que je dois lui prouver que c'est sa fille. Et après cela, je vais lui demander de ne plus compter sur Jenny ou encore celui-ci. Et après tout ceci, je vais l'oublier totalement. Ça, je l'ai dit. Je serai toujours derrière toi. Allô? Je ferai les tests. Je vais connaître l'heure et l'endroit où nous irons. Attendez qu'il dise ce qu'il a à dire. Je n'ai pas besoin d'entendre tout ce que tu me diras. Es-tu satisfait maintenant? Tu es satisfait maintenant? Maintenant, dis-moi! Après nous avoir fait souffrir, mon enfant et moi, tu sais, reste loin de nous. Et sache que je vais trouver un bon mari. Un homme qui m'épousera. Et il sera un bon père pour ma fille. Ce sont mes enfants aussi. Tu dois savoir comment ils vont. Vraiment? Oui. Pas de problème. Je vais t'informer où tu peux rencontrer Jenny. Et j'aurai aussi mes instructions. Je te le ferai savoir. Maintenant, si tu penses que tu es en train d'aller du bon côté, d'accord, c'est bon. Quand tu viens dans ma maison, sois mon invité. Et j'aimerais que tu saches que ceci sera une très 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 grande bataille. Allez, sors d'ici. Elle ne plaisante pas. Maintenant, sortez. Sortez. Très bien. Cet homme qui avait accompagné les papas de Jenny. Un grand homme. Un très grand homme. Peut-être que c'est cet homme gentil qui était venu avec lui. Vraiment? Comment ça? Sérieusement? Es-tu sûr? Je ne te comprends pas. Ah,
Est-ce que c'est un crime? Ce n'est pas un crime. Je t'ai dit, cet homme est vraiment beau. Il est un homme gentil. Arrête ça. De toutes les façons, penses-tu vraiment qu'il va m'appeler? Tu sais, je ne veux pas que Jenny se fasse des soucis. Imagine, à peine qu'elle vient de rencontrer son père et du coup il disparaît. Bien, je ne pense pas. Il n'est pas stupide. Hein? Je sais qu'il va enfin réaliser son erreur. Tu es d'accord avec moi? Il sait très bien qu'il a tout gâché. Alors il va sûrement revenir et demander pardon et te faire comprendre. La question est qu'est-ce que tu feras si cela arrive? Je ne sais pas ce qui arrivera. Mais chère copine, ce monsieur Mézé n'est pas si mal. Et s'il ne revenait pas? Il ne peut pas revenir pour conquérir ton cœur. Et je pense que tu dois lui donner une seconde chance. Ok. Il doit être sérieux maintenant. Parce que cette fois-ci, ça sera chaud. Ok. Quelqu'un est sur le point de la faire transpirer. Les rendre chaudes. Ok, c'est bon. Arrête, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. S'il te plaît, arrête. Et son ami, il est célibataire? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu sais, je n'arrive pas à te comprendre. Nous ne sommes pas là pour parler de son ami. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça, non? Je voulais juste être sûre. Sa mère m'a dit de m'éloigner de sa fille. Pendant 2 ans passés, tout ce que je faisais était t'aimer avec dévouement et fidélité. Je fais aussi pareil. Voilà. Je suis seule qui t'ai poussée vers eux. Que cela m'a affecté, mais c'est bien. Si tu ne m'avais pas fait savoir, je n'aurais pas su que j'avais un enfant. Et maintenant, cette histoire t'a causé du tort. Et j'ai déjà fait la paix avec moi-même. Oh mon Dieu, voyons. Nous devons faire la bonne chose. Et c'est quoi la bonne chose? Et notre enfant en train de venir. Va vivre avec eux. C'est la meilleure des choses à faire. Tu es un homme gentil. Et je continuerai toujours à t'aimer. As-tu pris mon numéro? Et qu'est-ce que tu veux de moi? Ok. Si tu penses que tu l'aimes beaucoup et tu ne peux pas vivre sans lui, pourquoi tu me l'informes? Ok, merci. Je garde ça.
Allô, Kat. Peux-tu imaginer qui m'appelait? La fiancée de Mézier. Oui, il m'appelait juste pour me dire juste qu'il m'aime beaucoup et à cause de notre situation. Mais elle a laissé tomber pour moi. Oui, elle m'a dit qu'elle veut lui voir avec ses enfants. Peux-tu imaginer? Ma chérie, attends-moi. J'arrive. Ne t'inquiète pas, j'arrive. J'arrive bientôt. On va parler de ça. J'arrive, ok? Chérie, maintenant que tout est clair, alors dis-moi que tu es sur le point de courir pendant 2 heures pour aller prendre ton homme et lui faire comprendre. Non, je ne peux pas le faire. Tu l'attends pour qu'il fasse quoi? Bébé, appelle-le toi-même. Voyons, ma chérie. Je ne veux pas qu'il pense que je suis désespérée. Hein, merci, prends ce téléphone et vas-y, appelle ton homme. Il n'y a surtout rien de mal dans ça. Hein? Appelle-le. Es-tu sûre? Bébé, je suis très sûre avec tous mes sens. Appelle-le. Il m'appelle. Bon, tu vois? Et voilà, c'est un essai. Vas-y, décroche. Oh! Salut, je vais bien. Et toi? Quand est-ce que tu viendras me voir? Hey, dis-lui de venir avec son ami. Dis-lui de venir avec son ami, non? Peux-tu venir avec ton ami? Viens juste avec lui. S'il te plaît. Ok, on se voit le dimanche. Bye. C'est quoi ça? Dis-lui de venir avec son ami. C'est quoi ça? Quoi? Oh, raison pour laquelle tu m'as obligée de l'appeler. Ah, je me rappelle une fois tu m'as posé des questions sur lui. Tu voulais tout savoir. D'ailleurs, tu me disais, oh, il est trop beau. Est-ce qu'il est marié? J'ai été surpris. Et quoi alors? Hein? Est-ce que c'est un crime une belle femme comme moi de vouloir un homme très gentil et beau en même temps? S'il te plaît, dis-moi. Si Mizet était moche, tu allais commencer à les suivre, hein? C'est un homme très beau et rempli de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi si seulement il te touche ici, tu tombes enceinte. Oh, oui, oh, tu tombes enceinte. Si tu touches là, tu tombes enceinte. Oh, pourtant ça. Seulement il touche. Chérie, je vais te montrer un jeu, d'accord? Et attends, tu vas jouer. Oh, papa! Oh, il est là! Comment tu vas, ma chérie? Je vais bien. Où étais-tu? Je suis Minala, mon amour, ok? D'accord. Devine quoi? Quoi? J'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux. D'accord. Voilà. Waouh! Merci, papa! Je t'en prie. Salut. Je l'ai fait pour toi. Wow. Oh. J'espère que tu vas l'apprécier. Oui, c'est vraiment beau. Merci. Très bien. Je t'en prie. Alors, comment tu vas? Très bien. Et toi? Je suis vraiment contente que tout ceci est terminé et ils sont enfin de nouveau ensemble. Moi aussi. Tu sais, j'ai besoin que nous annonce la date du mariage pour que je puisse officiellement achever mon travail. Mais juste à voir comment ces deux-là se comportent, je ne pense pas qu'il leur faut beaucoup de temps pour que cela arrive finalement. Et ton amie, elle sait vraiment faire semblant.
Est-ce que tu as vu comment elle a attrapé la bouche de mon ami? Ah! Mais comment ça? Tu sais, j'aime le son de comment tu ris. Cela fait quelque chose dans mon cœur. Je comprends quelque chose. Tu veux dire que ma façon de rire a fait quelque chose dans ton cœur? En réalité, ça même poussait mon cœur à sourire, tu sais. Tu es un poète parce que tu es très beau. Oh, tu sais que tu es très belle. Oui, tu es très belle. Avec tes lèvres qui brillent. Me permettrais-tu de les embrasser? Je suspectais ces gars. Chaque fois que je lui dis que je viens chez toi, il me demande toujours, est-ce que Patty est là? Est-ce que Patty va venir? Si pas, il ne viendra pas avec moi. Regarde-les maintenant. Et parfois, quand elle revenait de l'hôpital, j'étais souvent avec elle. Et chaque fois que je t'appelais, elle voulait toujours que tu viennes avec ton ami. Je le savais. Je le savais. Je le suspectais toujours. Regarde-moi de mal dans ça. Je suis tombée amoureuse de lui depuis le premier jour que je posais mes yeux sur lui. Vraiment, c'est une bonne chose. Ok. Ne brise pas le cœur de mon ami. Hein. Non, je ne le ferai pas. Et vous savez, les sentiments sont réciproques dès le premier jour. Quand je t'ai vu, j'étais vraiment ébloui. Oh, monsieur de mon ami. Jamais je ne le ferai. Je ne le ferai pas. Allons-y, allons manger. Oh, okay, j'ai vraiment très faim, croyez-moi. Je meurs de faim. Je t'en prie. J'ai vraiment hâte. Alors, trinquons pour l'amour. Maisy. Oui. Laisse-moi faire ça. Tu veux le faire? Et ton tour. Ok, ok. Vas-y. Allez-y. Alors, ce que nous avons aujourd'hui comme rassemblement d'amour a une fois commencé avec cette très belle femme qui est allée boire et d'une quelconque manière. C'est enivré. Ensuite, elle a rencontré ces beaux messieurs ici, ont connu tout ce qu'ils ont connu, et aujourd'hui nous avons cette magnifique fille. C'est leur petite magnifique fille. Et encore, d'une quelconque manière, ils se sont séparés pendant 8 années, 8 bonnes années. Mais nous voici encore réunis, trinquant à l'amour. Mais entre-temps, nous allons nous enivrer ce soir. Oui. Nous serons ivres ce soir. Oui. Tout a commencé par l'ivresse et nous allons être ivres ce soir. Et après s'être enivrés, vous savez quoi? Nous irons à la maison, toi et moi. Ensuite, tu sais ce qui va arriver? Une seule touche. Une seule touche. Une seule touche magique. Trinquons pour nous, les gars. Trinquons à l'amour. Santé, santé, bébé.